L'enfant. Le père du Béa Soussou, le Kagaba. Du Béa Soussou. Il va y en consommer depuis l'Italie. C'est la voix de son parti qui va couper le message. Le Kagaba. Fakwane, le père du Lyon. Un nom fidèle. L'enfant de la famille du Julien. L'enfant de la famille du Julien. Un homme fidèle, comme y a Zouzou, un homme de parole, comme y a Zouzou, un homme de vérité, comme y a Zouzou, quand les idées ne viennent, le grand Zouzou sur l'homme, comme y a Zouzou, un homme fidèle, comme y a Zouzou, un homme de parole, comme y a Zouzou, un homme de vérité, comme y a Zouzou, Fangaye mamaru kone, akwali kumba denge, denge. Dume ya ragalu denge, dume ya zuzu, zuzu. Kanga to dentile, gawo dene biye de, gawo de. Kanga lintege dene biye, walai. Dume ya zuzu waya, je suis fier de vous waya, l'enfant béni de Dieu. Mama Afusia Tabamba, je chante pas pour un enfant maudit. Doumia, il kabeke. Je chante pas pour un enfant finia. Doumia Zouzou. Je chante pas pour un enfant qui respecte pas sa famille. Doumia, enfant, il est béni par sa maman et son papa. Doao de Nebiye, Kangelen Tiki de Nebiye, Horon de Nebiye, Tien Fola de Nebiye. Doumia Zouzou, un homme fidèle. Doumia Zouzou. Un homme de parole, comme y a Zouzou, un homme de vérité, comme y a Zouzou, quand elle est de l'ennemi. On n'a qu'à laisser les jaloux parler, laissez-les parler. On n'a qu'à laisser les aigris parler. On n'a qu'à laisser les hypocrites parler. Si tout y a Zouzou, on est à la kira kereke, t'es que pour t'y m'envoyer. Doumia Zouzou, on s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. Doumia Zouzou, hey. Soro qui va pour Guillaume, on l'a traité de malhonnête. Soro qui va pour Guillaume, on l'a traité de traite. Soro qui va pour Guillaume, on l'a traité de mouillon. Doumia Zouzou, eh mon retour, maï. Oui, en foignant, bon, y'en est. En foignant. Soro qui va pour Guillaume, c'est pas un enfant maudit. Jamais de la vie. Soro qui va pour Guillaume, c'est pas un enfant fainéant. Il est béni par ses parents, il est béni par sa famille. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Soro qui va pour Guillaume, il est béni par Inch'Allah. Il va faire son retour en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Bientôt. Ivoirien de Mako, Soro qui va pour Guillaume là. Doumia Zouzou, à Tiblara, oui, à voilà quoi. Doumia Zouzou, à Tiblara, dans notre corps. Doumia Zouzou, à Bible, la canale de Nego. Doumia, à Bible, la horon de Nego. Doumia Zouzou, à la Lega qui est. Masa Lega qui est. Doumia, la vie c'est bon, le boulot. Doumia Zouzou, Inch'Allah, avant on va gouverner ce pays là. Inch'Allah. Et après les maudits, et moi mon grand Doumia Zouzou, n'est jamais parti à l'école. Enfoiré, pourtant, il est intelligent que les maudits. Les maudits. Ils n'ont rien compris encore. Et après les Zouzou. Nebe Nakuma, Moro Makuma Doneda. Nebe Nakuma, Moro Makuma Doneda. Nebe Nakuma. Non, bafla, c'est trop fort. Putain. Oh, c'est pas bon.
Il est béni par sa famille, les Ivoiriens ont besoin de lui. Soro qui va pour les Guillaume, il est béni par sa famille. Il va faire son retour en Côte d'Ivoire. Inch'Allah! Bientôt, 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 bientôt. Ivoirien de ma confiance, Soro qui va pour les Guillaume là. Doumia Zouzou, à Tibla la Ouya, voilà quoi. Doumia Zouzou, à Tibla la Tamadiko. Doumia Zouzou, à Bible la Canale de Nego. Doumia. La Bible la horon de Nego, Doumia Zouzou, Allah le Kaki, Masa le Kaki, Zouzou, Doumia, la vie c'est molo molo, le Zouzou, Inch'Allah, enfin, on va gouverner ce pays là, voilà, mais après les maudits, des moments grands, Doumia Zouzou, le Zouzou, il n'est jamais parti à l'école, enfin, pourtant, il est intelligent que les maudits, voilà. Comme ça, ils n'ont rien compris encore, le Zouzou, Nakuma doneda, nebe nakuma, koma kuma doneda, nebe nakuma, koma kuma doneda, nebe nakuma, koma kuma doneda. Emperor, sera maya betume yara, halijina dem betume yara, karamoho dem betume yara weya, betume yara kaima son wea forma. Dumuyara kaima son jamba mare. Dumuyara kaima son traizoma. Dumuyara zuzu. Je suis fier de vous. Hey. Dumuyara zuzu. 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 Soyez salués tous ceux qui sont connectés. J'ai trois vidéos à enchaîner. Le congé est fini, nous avons repris le boulot. C'est pourquoi vous ne me voyez pas sur TikTok, sur le panel avec des animaux du RDR. Je vous promets, vendredi soir pour samedi soir pour dimanche soir pour lundi, trois vidéos seront enchaînées concernant la Côte d'Ivoire, notre pays. Parole n'est pas bon. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Arturo, le professeur, soit salué. Traoré Ismaël, mon très cher grand frère, Ismaël Smauro, depuis ta position en Angleterre. Vous devez être fier de moi. Le seul jeune Ivoirien parmi les activistes qui n'est pas parti à l'école, c'est-à-dire le seul analphabète parmi les activistes ivoiriens, c'est moi. Je l'assume et je suis fier. Mais et pourtant, je ne suis pas un animal. C'est de ça qu'il s'agit. Très loin d'être un mouton. Je vous demande de partager cette vidéo sur TikTok, sur Facebook, pour pouvoir travailler, pour pouvoir éveiller la conscience de nos parents de la Côte d'Ivoire, qui sont misérés aujourd'hui. Le seul peuple qui fait pitié en Afrique, ce sont des Ivoiriens. On nous appelle tous les jours. Zouzou, y a quoi vous ? Il y a quoi vous les Ivoiriens, il y a quel problème? Le seul pays en Afrique, pour ne pas dire l'Afrique de l'Ouest, le seul peuple qui sont dans l'esclavage en 2024, qui sont gouvernés comme des animaux, ce sont nos parents de la Côte d'Ivoire, par la faute d'un sanguinaire, un criminel, un voyou, un bandit, Alassane Dramane Ouattara. Nous devons travailler pour sensibiliser nos parents, pour encourager nos parents, pour donner la confiance à nos parents de la Côte d'Ivoire. Comment se débarrasser de ces animaux-là en 2025? Ça, c'est notre travail. On n'a pas le moyen de prendre le Kalachnikov contre ce régime, sinon j'allais être le premier à le soulever. On n'a plus le moyen de prendre des armes contre ces voyous-là, sinon j'allais être le premier. Hier, je le fais au nom de Dramane. Aujourd'hui, je peux le faire pour chasser Dramane au pouvoir. Mais le problème... John Soro n'en veut pas, Babo Laurent n'en veut pas, nous on n'a pas le moyen. On fait comment? On doit encourager nos parents à un soulèvement populaire pour chasser ces animaux à la tête de notre pays. Alors très rapidement, sans tarder, on va aller dans le vif des sujets. Bipe Moati Kendia et son papa Dramane, ce soir là c'est pas bon, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Vidéo que je vais faire là, ce soir là, c'est pas bon. Celle de demain soir, c'est pas bon. Celle de dimanche soir, ça sera pas bon. Peuple du Nord, réveillez-vous. Je vous ai pas oublié. Très rapidement,
Je vais vous lire ce que j'ai écrit ici, ce qui me donne la force de continuer. Urgent, urgent. Ceux qui me connaissent, je n'ai jamais écrit urgent dans mes lives, moi. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si vous voyez urgent, urgent, c'est que c'est urgent. Dramane Ouattara s'apprête à accuser l'opposition ivoirienne. Découverte. Préparer des caches d'armes à l'est et à l'ouest et au nord de la Côte d'Ivoire pour accuser l'opposition. C'est... Président Papa Laurent Gbagbo, président Diom Kiba Forissoro, prenez ça au sérieux. Papa Chris Yapi n'a pas encore cette information, mais moi je l'ai à ma position. Je peux vous donner même des villes où ça va se passer. Mon informateur m'a dit de ne pas donner de villes. De ne pas donner les noms de villes où ces caches d'armes seront découvertes pour accuser Gbagbo Laurent et Diom Soro de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Voici les deux hommes que je considère comme l'opposition véritable de la Côte d'Ivoire. Le véritable opposition de Dramane aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Diom Soro et Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle envoyer vidéo là à Gbagbo Laurent, mon papa. Envoyez une vidéo là au président Diom Kiba Forissoro, mon grand frère. Dans les mois qui viennent, vous allez voir découverte des armes cachées quelque part à l'est, à l'ouest et au nord de la Côte d'Ivoire pour accuser l'opposition ivoirienne de déstabilisation du régime des sanguinaires. Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Donc il voit coup d'État partout. Ces hommes sont en train de travailler. Ces hommes sont en train de travailler pour aller cacher des armes et ensuite faire découverte de ces armes-là et ensuite accuser l'opposition. Allez-y, dis ça au président Gbagbo Laurent et au président Diom Kiba Forissoro. Mon très cher frère Ramatical, partagez la vidéo. Ouattara, c'est son spécialité, ça. Nous avons caché les armes dans la mosquée hier, en Côte d'Ivoire. Oui, lui, il connaît que ça. Cacher des armes, ensuite acquiser. C'est ce qui est arrivé à Soul Toussoul. Les armes où il y avait l'embargo sur la Côte d'Ivoire, les armes que Dramane a envoyées pour aller cacher ce Soul Toussoul-là. Ces mêmes armes-là, il dit que Soul Toussoul voulait prendre pour faire coup d'État. Quand je parle, croyez-moi, je connais Dramane. Je connais la méthode de Dramane. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Soul Toussoul a été acquisé de cache d'armes d'avoir déstabilisé le régime des sanguinaires, le Kafri Dramane Ouattara, l'animal, Alassane Ouattara. Et ces armes-là, c'est nous, on a mis ces Soul Toussoul. Pendant l'embargo, les armes sont arrivées pour déloger Gbagbo. Gbagbo était arrêté. Où il fallait mettre ces armes-là? Ouattara n'a pas eu confiance d'aller déposer dans les casernes. Il dit à Soul Toussoul, on va garder ça chez toi. Quand le pays sera réunifié, quand tout sera réglé, on va envoyer ces armes-là dans le dépôt. Et un jour, il s'est levé que Soul Toussoul voulait faire coup d'État. Ils ont acquisé Soul Toussoul. Mais Dieu va rétablir la vérité un jour. Dramane, tu vas mal finir. Donc, c'était, avant de rentrer en jeu, signaler, prévenir Papa Laurent Gbagbo, prévenir président Diom Kiba Forissoro, apprêtez-vous. Dans les mois qui viennent, Dramane va faire des découvertes des armes à l'est, à l'ouest et au nord de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, accuser l'opposition ivoirienne de déstabilisation de ce régime. Tous ceux qui sont connectés sur TikTok, sur Facebook, écrivez ça, gardez. Écrivez, gardez. Je peux même vous donner le nom de la ville où elle va se dérouler, où elle va se passer, les caches d'armes. Mon informateur m'a dit de ne pas dire nom de ville. Si je dis nom de ville, on va savoir que ça vient de lui. Je garde ça comme secret anonymement. Elle va se passer. Professeur Arturu, écrivez, gardez que Zouzou avait dit ça. Dans les mois qui viennent, avant l'élection de 2025, vous allez voir ça. Merci beaucoup, Papa Laurent Gbagbo. Grand frère président Diom Kiba Forissoro, ça c'était pour vous. Papa Chris Yapi n'a pas encore cette information, mais il va la voir bientôt. Il va savoir de ce que Zouzou a dit. Alors, très rapidement, on va continuer. Affaire de Wibi en Côte d'Ivoire, ma réponse au régime sanguinaire Kafri de Dramane Ouattara et Atiken Diaf Fakoly le comédien. C'est dommage, c'est triste, c'est grave de voir notre pays dans cette situation. Nous allons boucler la vidéo très rapidement
apparemment, il y a, comment on appelle, attendez s'il vous plaît, je vais aller vous montrer très rapidement. Alors ici, oh my God, j'avais envoyé ou pas? Oh non, j'envoie ici. Non, c'est ici. Il n'y en a pas. Excusez-moi un instant, hein, ceux qui sont connectés sur Facebook. Mais pourquoi une vidéo, il n'y en a pas? Ah, ok. Il n'y en a pas, mais bizarre quand même. Putain. Excusez-moi un instant. Ok. Tikenja Fakoly, le comédien, le Kafri, le fils de Kafa, Tikenja Fakoly. Hey! Allez-y dire à Tikenja, son nom Moussa Doumbia là. Il n'a qu'à enlever ça. Il n'a qu'à mettre François Macron, son nom. Moussa Doumbia. Moussa, c'est l'islam. C'est non musulman. Tikenja n'a qu'à enlever ça d'abord. Quant à Draman, le Kafri, le bâtard, Draman Ouattara, qui a menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. Non, Alassane Ouattara, toi, tu ne vas pas t'en sortir avec moi. Alassane Ouattara a menti au nom de l'islam. Il est venu éventrer des femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Je vois des animaux, je ne sais pas, Assalé Tchemogo ou RDR, Soro Chef Rebelle. Hey, j'étais trop occupé cette semaine-là. Vous voyez ça là? Samedi, TikTok, on va parler. Qui est le chef rebelle? Qui a créé, qui a financé? Qui est venu éventrer les femmes enceintes? On va parler avec des preuves. Arrêtez vos médiocrités. L'alliance PPACI-GPS, ça trempe partout. Il faut sortir des anciennes vidéos. Ils ont mal que cette alliance puisse avoir le jour, mais elle va se faire. Alliance de papa Laurent Gbagbo et son fils Sorodom, des animaux, vous ne pouvez rien, elle va se faire. C'était l'un de ma prières. Que un jour Soro et Gbagbo se mettent ensemble pour libérer le pays là. C'est son fils. À un moment donné, il était manipulé. Le papa a pris des lois d'amnistie pour pardonner son enfant. Cette alliance, je vois des animaux, des dramans et Assalé Tchemogo et Kojeb et consorts là qui parlent, qui veulent raconter leur vie. Et nous, on n'est pas partis à l'école. Mes téléphones, ça est là. Quand on parle, on vous montre des preuves. Tikenja Fakoly, hé petit, c'est nous en ta fait. L'homme noir, négro, animal. Tu as eu l'argent aujourd'hui, tu veux te foutre des Africains. Non, ça ne peut pas marcher. Draman Ouattara, le Kafri, le maudit. Alassane Draman Ouattara, oui. Qui est venu tuer tout un peuple à cause des pouvoirs. Mais il a dit quoi? Parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Attends musulman au pouvoir. Notre pays s'est transformé en un pays de Wibi, en un pays de Bouddha Kruya. Le monsieur, il est au pouvoir, est musulman. Il ne dit rien. La jeunesse ivoirienne consciente, la jeunesse africaine consciente, nous sommes sortis sur les réseaux sociaux. Draman Ouattara, le sanguinaire, le buveur de sang, il n'a pas eu un autre choix que de venir nous répondre. Il est sorti de son silence. Qu'est-ce que le régime de bâtards, d'animal, de maudits, Alassane Ouattara a dit? Vous allez écouter, hein, le vieux. Tu t'es foutu de nos parents. Tu t'es foutu des musulmans. Tu ne peux pas te foutre de Dieu, non. Draman Ouattara, tu ne peux pas te foutre de Dieu. Tu es trop petit. Tu n'es pas honte. Tu as envoyé le petit malien, Mamadou Touré. Petit analphabète, Mamadou Touré, tu l'as envoyé. À ton nom, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter. Hé non, Alpha Blondie Tikenja, vous êtes tous des bâtards, des comédiens. Toi, Alpha Blondie, soulève tes testicules. Faut parler. Le temps de Bédié, là, tu as chanté. Alpha Blondie. La démocratie bananière, tota, ça sera la guerre civile. Une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies. Tota, ça sera la guerre civile. Alpha Blondie, bientôt ton papa Draman 15 ans au pouvoir. Les Ivoiriens sont miselés. Leurs maisons sont détruites. Soulève tes testicules, il faut brosser un mot. Alpha Blondie.
Dikenja Fakoli, fils de Kafa, hier, tu avais du mal à dormir. Tu as embrouillé toute l'Afrique. Même s'ils ont les cousins à Sindou, est-ce qu'il n'y a pas de Kwame au Ghana? Bédié n'est pas ton ami. Hein? Ouattara t'a financé pour rendre la vie impossible à Gbagbo et à Bédié. Tikendia, aujourd'hui, tu veux te foutre de Dieu. Toi, Tikendia et ton papa Draman, vous êtes des animaux. Supermatozoïsme. Vous n'êtes rien, toi et puis Ouattara. Tikendia, hier, le coup d'histoire. Même s'ils ont les cousins à Sierra Leone, est-ce qu'il n'y a pas de Kwame au Ghana? Ça, c'était pour Bédié. Tu l'as dit, tu as chanté. Quitte le pouvoir, je te dis, quitte le pouvoir. Laisse tomber l'histoire. Ça fait trop longtemps, tu nous pourris le temps. Papa Laurent Gbagbo. Fou, ils deviennent fous. Fou, Alpha Condé devient fou. Alpha Condé a posé les mêmes actes que ton papa Draman. Tikendia, soulève tes testicules. Il faut chanter. J'ai une de ta photo ici, je vais montrer. Tikendia était un would-be. Allez-y, regardez sa photo de 1992. Je poste sur ma page Facebook. Il ne peut pas critiquer. Lui-même, il était dedans. Toi et puis Draman, là, fais ce que vous voulez. Dis ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas défier le bon Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le would-be, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es grand aujourd'hui, Tikendia. Tu as l'argent aujourd'hui. Mais tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas défier Dieu. Au contraire, ton nom Moussa, là, Moussa Doumbia, là, Moussa, là, c'est l'islam. Ton nom Moussa, là, c'est l'islam. Draman Ouattara, ton nom Ouattara Alassane, là, c'est l'islam. On va aller vous écouter. Putain de merde. Ce pays est tombé très bas. Je demande à papa Laurent Gbagbo, à son fils Dom Soro. Nous devons tout mettre en place en 2025. Chasser ces animaux-là à la tête de notre pays. Chris Yapi a parlé ce soir. Nous allons revenir là-dessus le dimanche soir, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ma petite, c'est Clarisse, tapotez, partagez. Tapotez le live, ceux qui sont sur TikTok, partagez. S'il vous plaît. Tikendia Fakoli, ce qu'il a dit, on va écouter. Draman Ouattara, il y a longtemps, il est silencieux. La jeunesse consciente de l'Afrique. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas être exposée comme ça, non. La jeunesse ivoirienne sont sortis, on a parlé. Draman n'avait pas un autre choix. Il est sorti de son silence. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter. Putain de merde. Président Laurent Gbagbo, papa. Soro Kibaforidjom. Christian Pia a parlé. Draman est candidat. Toi, Cham. On va faire ta sauce dimanche soir. La vidéo de Chris Yapi là, ça est ici. On va développer dimanche soir. Demain soir, j'ai une autre vidéo. C'est pas bon. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Hein? Alors, on va écouter les animaux. Alpha Blondie, Tikendia Fakoli, Draman Ouattara, le sanguinaire, le bouki, l'animal, le maudit, qui a menti. Il te traite de maudit, Alassane Ouattara. Tu sais pourquoi? Parce que tu as menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. En massacrant, en éventrant les femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Plus de 405 000 morts au nom de l'islam. Là où tu as reçu à manipuler nos parents et nous-mêmes. Déjà, tu n'es pas musulman. Tu vas avoir affaire au bon Dieu. Tout est suivant. Tous les suivants d'Alassane Ouattara partira à l'enfer. Je vais vous donner des versets coraniques. Vous allez partir vérifier. Le vieux était malade. Papa Laurent Gbagbo. Soro Kibaforidjom, apprêtez-vous. Dans les mois qui viennent, découverte des armes à l'est, à l'ouest et au nord pour vous accuser de déstabilisation de son régime. Quelqu'un qui est venu par coup d'état, il voit coup d'état partout. Draman Ouattara, toi tu es maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui! Le Kafa, les animaux des imams de Kozim. Le fils de Bata, soi-disant des imams en Côte d'Ivoire. Imam Berthe, toi, tu n'es pas dedans. Imam Ajib Touré, tu n'es pas dedans. Imam Ousmane Fofana. Imam Fofana, toi, tu n'es pas dedans. Voici des guides religieux qui ont osé à dire la vérité. Les imams de Kozim, apprêtez-vous.
votre testicule sera sauté dans l'enfer. C'est pas moi, c'est écrit dans le Coran. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans le livre saint de l'islam. Draman n'est rien. Draman, il est pouché. Supermatozéisme. Draman Ouattara, il n'est rien. Bientôt, il va disparaître. Il sera enterré en bas des terres. Mais je vous garantis ici, ce que je veux vous dire, écrivez, gardez. Le corps de Draman Ouattara, la terre va refuser. Aya Sebaya, gardez. Écrivez, gardez. Le corps d'Alassane Ouattara, la terre va injecter le corps. La terre, moi j'ai déjà vu ça dans ma vie. La terre refuse le corps. Ça sera le cas du corps de Ouattara. Écrivez. Cet homme a fait trop du mal dans l'humanité. Et surtout au nom de l'islam. Et ce qui me met dans mes états là, dans ma colère. Le corps d'Alassane Ouattara, la terre là, ne va pas l'accepter. Elle sera injectée dehors. Écrivez, gardez. C'est écrit dans le Coran. Tu as menti au nom de l'islam. Hé, le vieux. Tu es venu tuer un peuple à cause des pouvoirs au nom de l'islam. Tu as dit hier que parce que tu es musulman, on ne veut pas que tu sois présent. Attends un musulman au pouvoir légalisé, toléré, LGBT dans notre pays. Hé, tchè, putain. Si on m'avait dit ça, que Ouattara, une fois au pouvoir, allait accepter le Wibi en Côte d'Ivoire, j'allais dire, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je suis vivant, j'ai vu. Ouattara, il a parlé. Hein? On va écouter ce que Ouattara a dit. C'est dommage, c'est grave. Des fils de bâtards, des véritables animaux. On n'avait pas besoin de venir tuer un peuple pacifique pour accéder au pouvoir au nom de l'islam. Massonge. On n'avait pas besoin. Dia Ouattara n'est pas un musulman. J'ai mal, je regrette. Ari Kona Bédié, un chrétien. Félix Oufouboy, un chrétien. Papa Laurent Gbagbo, ils n'ont pas osé de légaliser ça, de tolérer ça dans notre pays. Jamais de la vie. Oh mon Dieu, qui nous a mis dedans? Tout est un peuple de la médiocrité. Le peuple du Nord, le Djoula. Parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Et tous les grands Nord ont soutenu Ouattara dans ça. Attends, Ouattara au pouvoir, il a tué tous leurs enfants. Le seul survivant qui est en exil, c'est Sorodjom. On ne sait même pas où l'enfant se trouve aujourd'hui. Ouattara a tenté de le tuer. En 2019, il a échappé. 5 ans en exil. Soro se promène quelque part à l'est, là, au Burkina, au Mali, au Niger. On ne sait même pas où il se trouve. Et ce peuple de la médiocrité, ce peuple de la honte, sont assis, ils regardent Ouattara. Demain, je suis avec vous. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est dommage. Alassane Ouattara, Dom Soro nous a dit de ne pas insulter. Sinon, moi, j'allais insulter ta maman tout de suite là. Ibam Songman, Nini 600. Tu as menti au nom de l'islam, vrai ou faux? Tu as menti au nom de l'islam, vrai ou faux? Hein, Tché Ouattara, je n'ai pas le moyen. Je n'ai aucun moyen aujourd'hui de sauter le testicule de Draman. Je n'ai pas le moyen. Oui. Je n'ai rien à regretter de me dire. Hein. C'est la colère. J'ai été manipulé. On dit qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. On a pris les armes. Un pays béni de Dieu. Un pays civilisé. Un pays pacifique. Un pays sans bruit. On est venu détruire ce pays. Je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon au président Laurent Gbagbo. Et je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ma participation. Hé hey, Ouattara. Alors, on va aller écouter le fils de bâtard, Mamadou Touré. Oui, moi j'assume. Hein. Vous tous là, j'ai travaillé avec vous. J'étais au RDR. Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire, à part municipal 2001. Gbagbo a pris le pouvoir. Législatif, présidentiel, Draman n'était pas candidat. Législatif, il n'était pas candidat. Municipal, Papa Laurent Gbagbo a dit, le seul RDS se présentait, c'est une élection locale. Ce n'est pas d'importance à mes yeux. RDA a participé, on a gagné. Même à Gagnoua, on a gagné. En 2001.
La seule élection que Ouattara a gagnée en Côte d'Ivoire, c'est ça. Il n'a jamais gagné une élection. En 2010, en 2005, il n'était pas candidat. En 2000, d'abord, il n'était pas candidat. En 2005, il n'était pas candidat. En 2010, Ouattara n'a rien gagné. Wallahi Bilay Talay. Rien. On a volé l'élection pour lui donner. Il était imposé là par Harry Kona Bédié, Dom Kiba Forissero, Nicolas Sarkozy. Le son est bon? Ouattara n'a pas gagné l'élection. Ici en Italie, j'ai volé l'élection pour donner à Draman. Oui. J'ai tout le preuve encore à la maison. On ne peut pas l'accepter. Ouattara, c'est un maudit, un vaurien, un vrai lâche politique. Draman Ouattara. Alors ici, très rapidement, vous savez, votre serviteur n'est pas parti à l'école. Donc quand il dit quelque chose, il montre le preuve rapidement. Oui, album photo là ici. Voilà ça ici. Je crois que ça est là. Voilà ça. Regardez. Vous voyez ici. 32, 38. Harry Kona Bédié 25, voilà ça. Voilà. Bago l'a niqué. Bago l'a déshabillé en 2010. Mobilisation totale de tout le Grand Nord. Tous les djoulas du monde ont voté. Le cadavre et le cheval, les lannes et les chiens, les cabris, les moutons ont voté au Grand Nord. Oui, on l'a fait pour Ouattara. Mais il n'a pas plus gagné que Bago Laurent. Voilà le résultat ici. 38-32, voilà ça. Regardez bien. Ceux qui sont sur Facebook, regardez. Ceux qui sont sur TikTok, regardez. 38-32. Il n'a rien gagné. Mais il a fallu Ouattara. Parce qu'on nous a dit qu'il est musulman, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit présent. Nous avons écrit à ça. On a été manipulé. On a écrit à ça. Aujourd'hui, c'est dommage, c'est triste. C'est catastrophique. J'ai mal aujourd'hui de voir notre pays dans tel état. Alors, très rapidement, affaire de Wibi en Côte d'Ivoire. Le peuple de l'enfer, les dirigeants de l'enfer. Oui, Draman Ouattara est le cadre du RHDP qui gouverne la Côte d'Ivoire. Écrivez au nom de Dieu, aucun cadre du RDR, après leur mort, ils vont partir au paradis. Écrivez, ce n'est pas vrai. Sauf si l'islam n'est pas vrai, sauf si Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu a écrites dans le livre saint de l'islam qu'il faut appliquer. Et Draman est très loin de ça. Dieu dit, si tu n'appliques pas ça après ta mort, tu vas aller à l'enfer. C'est que Draman va partir à l'enfer. Tous les gouvernements du RHDP, après leur mort, c'est l'enfer. Vous tous, vous êtes venus s'accaparer des pays des gens. Pays là, ce n'est pas pour vous. Et ensuite, transformer ces pays. Transformer pays des gens, des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des étrangers. Venir s'accaparer des pays des gens avec des armes à la main. Et ensuite, transformer pays des gens à un pays de Wibiland. Aujourd'hui, j'ai mal. La Côte d'Ivoire est exposée partout. Très rapidement, on va aller écouter le gouvernement de Draman. Des animaux, des fils, des bâtards, des maudits. Danga Den, Djarama Den. Alassane Ouattara et son gouvernement. Anana Ouyatike Kounou. Quoi lui islamé ouye? Koute Faïke Fangarama, Côte d'Ivoire. Anana Ouyatike Kounou. Quoi parce que Alou islamé ouye? Koute Faïke Fangara, Côte d'Ivoire. Eh tchè. Aloube Fangara bi. Alou le bi. Oui bi. Légaliser Côte d'Ivoire. C'est dommage. Alors, très rapidement, on va aller, regarder. Tigendia, je vais arriver sur toi. Hein. Alors, on dit TikTok. Nous sommes dans un état de droit. Okay, nul n'a le droit de se faire justice. Oh mon Dieu. Ça, il faut le savoir. Et la Côte d'Ivoire, les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Ceci étant, cette situation découle aussi d'une incompréhension, parce qu'on entend beaucoup de choses se dire. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans... Ferme ta gueule, toi qui parles là, tu n'es pas ivoirien, Mamadou Touré. Tu n'as pas de leçon de morale à donner aux Ivoiriens. Toi, Mamadou Touré, tu n'as rien à dire aux Ivoiriens
concernant la constitution de leur pays, ils connaissent mieux que toi. Hein, tchè? Djom Soro, y'a quoi nous? La médiocrité totale. Honorable Soumaoro Kando, grand frère Alaj Mamadou Traoré, papa Laurent Gbagbo nous a dit hier. Hein, tchè? J'ai mal. Vous me combattez pour un maudit. Vous me combattez pour un criminel, un diable, un sanguinaire. Vous me combattez pour un bâtard, un lâche. Si cet homme accède au pouvoir, vous allez tous y regretter. Le plus sensé n'aura en exil. D'autres seront assassinés, d'autres en prison. Djom Soro fait partie des plus sensés. Draman a voulu le ligoter en 2019. Sur les yeux de ses parents, ce n'est pas du Nord. Putain. Surtout sur Yakoua, vous, prison. Ahmed Bagayogo Ouattaro, Soro Konyo Lassina Kouloubali, Ibrahim Kouloubali Dibé, ils ont été exécutés comme des chiens sur Alassane Ouattara. Gbagbo l'avait dit. Alors, Mamadou Touré, écoutez, une insulte à l'endroit des Ivoiriens. Mais vous savez pourquoi ils sont sortis de leur silence? Parce que la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire, qui ont dit que notre pays, la Côte d'Ivoire, ne mérite pas ça. Nous sommes sortis. Les jeunes Ivoiriens, authentiques, originaires. Les Ivoiriens conscients sont sortis, la jeunesse. On dit, Draman, ouvre ta gueule, faut te prononcer. On n'est pas d'accord. C'est pas notre pays, ça. Pendant ce temps, les animaux de Draman disent que Draman n'a rien à voir dedans. Mais pourquoi il a parlé aujourd'hui? Les moutons du RDR, les animaux du RDR disent que Draman n'a rien à voir dedans. Ok, mais pourquoi Draman est sorti aujourd'hui? C'est qu'il a quelque chose à voir dedans. Bac plus 12, qui est un animal. Moi, je n'ai pas fait CP1. Je suis content. Moi, je n'ai pas fait CP1, mais je suis content. Toi, tu as bac plus 12. Tu m'accuses d'accuser Draman. Tu dis Draman n'a rien à voir. Ok, mais pourquoi il a parlé? Pourquoi il est sorti de son silence? Hé, hey, je crains pour la Côte d'Ivoire. Dieu, en détruisant Draman, en détruisant le testicule de Draman Ouattara, Dieu risque de détruire mon pays. Voici où je crains. Voici où l'homme craint quand même. Que Dieu, en détruisant le régime de Ouattara, va détruire la Côte d'Ivoire. Voilà où je crains. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le livre saint de l'Islam? On va y arriver. Ah, c'est pas bon. Écoutez ce petit Malien là, Mamadou Touré. Je n'ai rien contre le Malien, ce sont mes frères. J'ai beaucoup de demi-frères maliens. J'ai été au Mali, à Bamako moi-même. Je n'ai rien contre eux. Mais quand tu es malien et que tu es à la tête des pays des gens, il faut savoir parler. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es malien, tu es guinéen, tu es burkinabé, et que tu es à la tête des pays des gens, il faut savoir parler. Vous voyez Barack Obama, un Kenyan, quand il était à la tête des États-Unis, là, il a su parler. On l'a envoyé, il a su s'envoyer. On l'a envoyé Barack Obama d'aller détruire l'Afrique, d'aller tuer Kadhafi, il a fait. Quand tu es à la tête des pays des gens, il faut savoir parler. Tu n'es pas un Ivoirien. Et puis, le porte-parole principal, Mamadou Kouloubali, Michelin, il était où? Et puis c'est toi, Mamadou, qui parle. Michelin, là, je ne l'aime pas, mais c'est un Ivoirien, il vient de Korogo. Lui, il devait tenir tel discours. Pourquoi il n'a pas parlé? C'est toi, petit Malien, on t'envoie pour venir insulter les Ivoiriens. Allons-y, très rapidement. Écoutez. Nous sommes dans un état de droit. Nul n'a le droit de se faire justice. Et ça, il faut le savoir. Et la Côte d'Ivoire... Nul n'a le droit de se faire justice. Hey! Ivoirien, Ivoirienne, vous quittez au travail, vous trouvez un fils de bâtard devant vos domiciles, soi-disant Wibi, cassez ce testicule, faites la justice vous-même. Mamadou Touré là, c'est un Wibi. Je vous dis, tous les gouvernements de Draman, c'est des Wibi. C'est le Wibi qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Wibi ont eu une telle tolérance en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Gbagbo, il n'y avait pas Wibi dedans. Le gouvernement de Bédié, il n'y avait pas Wibi dedans. C'est pourquoi les Wibi, à l'époque, ne pouvaient pas faire sortir leur tête en public. Non! Le temps de Gbagbo, là, le temps de Harry Kona Bédié, les Wibi ne pouvaient pas faire sortir leur tête en public. Traoré Ismaël, mon frère, il y a combien de personnes qui sont connectées sur Facebook? Je ne vois rien ici. Sur TikTok, nous sommes 118 là. Mais sur Facebook, je ne vois pas. Quelqu'un n'a qu'à me dire, il y a combien de personnes qui sont connectées? Le temps de Bédié, il y avait Wibi en Côte d'Ivoire, oui. Mais il ne pouvait pas faire sortir les têtes.
Le temps de Gbagbo, le Bousmani, le Kafri, le Bousmani, le chrétien, il y avait Wibi en Côte d'Ivoire. Oui, mais ils ne pouvaient pas faire sortir les têtes en public. Le temps de Ouattara, merci beaucoup grand frère Micha, merci. Le temps de Ouattara, les Wibi sont en succès en Côte d'Ivoire parce que le gouvernement est composé de Wibi. C'est de ça qu'il s'agit. Mamadou Touré, regardez, il insulte les Ivoiriens. Personne n'a le droit de faire justice lui-même. Il faut attraper Wibi, il faut couper les testicules. Les Ivoiriens, faites la justice vous-même à l'endroit de Wibi parce que votre pays n'a jamais connu cela. C'est simple. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu cela. S'il vous plaît. Oh my God. S'il vous plaît. Voilà. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'a jamais connu cela. Faites la justice vous-même. Faites la justice vous-même. Tégaissez-les. Massacrez-les. Si vous venez les trouver devant vos résidences, ils sont en train de faire leurs bêtises. Je n'ai rien contre Wibi. Je le dis la dernière fois. Deux Wibi. Un peut aller prendre Gbagba. Gbagba qu'on monte dedans, à Bobo, à Djamé là. Un peut aller prendre Gbagba complet là. Mais, dans la nuit, dans le derrière de son camarade. C'est pas fini. Prends Gbagba, mais dans derrière de ton camarade. Ça me regarde pas. Mon problème avec eux, qu'ils viennent s'exhiber, s'exposer devant nos enfants. Ils conduisent nos enfants, nos petits frères, dans cette pratique satanique. Voici mon problème. Deux Wibi, vous êtes chez vous à la maison, dans la chambre, vous pouvez aller prendre Draman lui-même, mettre dans derrière de un de vous deux, ça ne me dérange pas. Je reprends encore. Deux Wibi, vous êtes dans vos maisons, dans vos chambres, allez-y prendre Draman lui-même, mettez Draman dans le derrière de un de vous deux, ça ne me dérange pas. Mais vous sortez dans la rue pour venir vous exposer, vous exhiber pour conduire nos petits frères, nos enfants dans cette pratique. Ça, je ne suis pas d'accord. Afou Keïta, la fille de Draman, j'ai sa vidéo ici. Il dit, le fils de sa grand-sœur, il l'envoie à l'hôpital. Le docteur dit qu'on ne peut rien faire. Derrière, elle est gâtée. L'enfant va mourir. Et nous, on ne veut pas que ça arrive à nos enfants. Voilà pourquoi je parle dedans. Afou Keïta, le fils de sa grand-sœur, Afou Keïta l'a pris, il l'a envoyé à l'hôpital. Le docteur dit qu'on ne peut rien faire. Parce que derrière de l'enfant là est gâté, il va mourir. Et ça là, nous on ne veut pas que ça arrive à nos enfants en Côte d'Ivoire. Et nos petits frères, nos petits sœurs. Voilà pourquoi je parle dedans. Allez-y à l'aéroport de Port-Boué. Prenez avion complet là, mets dans derrière de ton camarade. Prenez Gbagba, mets dans vos derrières. Prenez Draman, mets dans vos derrières. Moi, ça ne me dérange pas. Mais fais ça à la maison. Je vous ai dit ici, le temps de Gbagba, il y avait Wibi en Côte d'Ivoire. Le temps de Ofoibo, il y avait Wibi. Le temps de Bédié, il y avait Wibi. Mais on ne les voyait pas. Cachez-vous entre vous à la maison. Allez-y, prendre le gouvernement de Draman, mettez dans vos derrières. Mais à la maison, pas devant les gens. Voilà mon problème. Avant d'écouter Mamadou Touré ou quoi, je ne sais pas là, petit Malien. Pour le savoir, et la Côte d'Ivoire, les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Ceci étant, cette situation compréhension, parce qu'on entend beaucoup. La loi ivoirienne protège tous les citoyens. Hé, tiens mon Dieu. Hé, Alassane Ouattara, ce Rodjom nous a dit de ne pas faire de gingis. Sinon, on est comme il est bamsonné. Merde, qu'on l'a jamais dit. Wallahi bilay. C'est un gouvernement de musulmans qui est là. Des gens qui sont venus tuer les Ivoiriens au nom de l'islam. C'est eux qui vont venir s'arrêter. Que personne n'a le droit de faire justice lui-même. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Moi, je n'ai pas le droit de toucher un Wibi qui sont venus se mougou devant ma maison. Je n'ai pas le droit de les traiter. Eh mon Dieu, putain. Ah! Putain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Astaghfirullah. La ilaha illallah. C'est-à-dire, Alassane Fanga le béni. Quand Marfata, quand Mofra, quand nous islamais, oui, on lui levait Fanga là. Qu'on ne doit pas toucher le Wibi. Personne n'a les justices de faire la loi lui-même. La Côte d'Ivoire protège tous les citoyens, quel qu'en soit. Ouais, tiens, putain. Ouattra toi. C'est grave. Oh mon Dieu. Putain. Oh. Non. Monsieur Di, vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacre le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse. Donc... Maman Simone et Yves Gbagbo, maman, s'il te plaît, je vous demande pardon. Oh, cette lumière-là, la lumière-là, putain, oh, ces gens-là me fatiguent trop. Laissez-moi en paix, tiens. Ah. Maman Simone et Yves Gbagbo, papa Laurent Gbagbo, président Diom Soro, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Faites tout possible pour libérer la Côte d'Ivoire en 2025 de ces animaux-là, de ces voyous-là, de ces criminels. S'il vous plaît. Maman Simone et Yves Gbagbo, j'ai écouté ton interview. J'ai beaucoup aimé. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, maman. Faites tout possible. Quelle que soit la situation. Papa Soro Diom, papa Laurent Gbagbo, il faut débarrasser la Côte d'Ivoire de ces animaux-là, de ces voyous-là, de ces mécréants, de ces cafris-là, à la tête de ces grands pays. Eh, tchè. Oh non. Le regret peut me tuer aujourd'hui. Un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs qui faisait référence à un certain article donc, du code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié en réalité ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle d'orientation Touré, sexuelle. Fils de et donc cette confusion. Mamadou Touré, fils de bâtard, ferme ta gueule. C'est nous, on t'a mis là où tu es. Mais bientôt, vous allez sauter. Mais dis-là, j'assume. Hein, je suis en colère contre vous. Manu Touré, vous savez pourquoi les députés ivoiriens ont refusé de voter le test? À cause d'orientation sexuelle, oui. À cause d'orientation sexuelle. Ils ont demandé à Dramane d'enlever sa Dramane à refuser. Orientation sexuelle, Zouzou, c'est un ivoirien. Il veut se marier avec une chienne. Il a le droit. Ce n'est même pas une affaire de oubli. Une fille ivoirienne est tombée amoureuse avec un cheval, elle veut se marier. Dramane dit, ok. Lui, il a grandi dans ces milieux-là. Il a mougou avec des chiens et des chevals. Il veut venir imposer ça dans ce grand pays pour lequel il a pris avec des armes. Orientation sexuelle-là. Orientation sexuelle-là, c'était dans le test. Je vous ai montré une vidéo des députés-là. J'ai ça ici encore. Député à l'Assemblée nationale. Ils ont expliqué. Il dit, hey, il ne peut pas voter ça. Dramane a pris un degré. Voilà Dramane là, il est en train de parler. Porte-parole du gouvernement, ce n'est pas Dramane. Hein? Putain, hein, non. C'est quand est-ce que le pouvoir de ces gens-là va prendre fin en compte? Moi, je suis trop pressé. Je suis trop pressé. C'est Djoulamanistan de Dramanistan. C'est Djoula de Dramane là. Je suis pressé que le pouvoir prend fin en Côte d'Ivoire. Il faut remettre ce pays à ses propriétaires. Il y a des gens qui ont gouverné ce pays avant nous. Ce n'était pas comme ça. J'ai mal, j'ai honte. Putain. Oh mon Dieu. Regardez là. Et analphabète. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Madou Touré, regardez. Aujourd'hui, il a arrêté, il s'adresse aux Ivoiriens. Fusion qui a été créée a suscité beaucoup donc de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord sur le principe donc de l'état de droit, donc qui protège tous les citoyens et nul n'a le. Mon frère, faut pas insister. Tu l'as dit une fois, deux fois, tu insistes là-dessus. L'État protège le droit de tous les citoyens, nul n'a le droit de se faire. Tu l'as déjà dit.
Tu as dit une fois, deux fois, c'est la troisième fois. Pourquoi tu insistes là-dessus? On a compris. Vous avez peur que Macron vous incule, vous tous. Vous encule, vous tous. Ça dit, en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien doit protéger tous les citoyens. Nul n'a le droit de faire justice lui-même. Il a fini de raconter sa sale vie là, fils de bâtard, sans condamner le Wibi en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Mais le peuple ivoirien est mieux que vous. Ce pays, c'est un grand pays qui a connu toujours la stabilité, l'humanité, le respect, la dignité. Il a fallu des animaux comme vous, les Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, pour venir transformer le pays des gens. J'ai mal aujourd'hui d'avoir participé dans ça là. Putain. Tous les citoyens, et nul n'a le droit de se faire justice. Notre loi... Nul n'a le droit de se faire justice. Toi, un petit malin, tu vas dire ça aux Ivoiriens. C'est-à-dire, leur pays en train de se transformer, il ne faut pas ils vont parler. Notre pays en train de se transformer à Wibiland, à la République de Wibiland. Bientôt, on va ajouter ça. Un pays, un nouvel pays qui s'appelle la Wibiland. Bientôt, elle sera dans le dictionnaire. Et il ne faut pas ils vont parler. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour regarder leur pays en train de se transformer. Et tu leur dis qu'ils n'ont pas le droit de se faire la justice. Moi, je suis plus en Côte d'Ivoire. Je quitte au boulot. Je viens trouver un fils de bâtard devant ma cour, que tu es Wibi. Je casse tes testicules. Il n'y a rien à faire. Oui, je honte aujourd'hui pour ces ethnies-là. Qu'on les appelle les Djoulamanistan de Dramanistan. Ce n'est pas tous les Djoulas. Hein. Aujourd'hui, il y a les Djoulas de Draman et puis il y a les Djoulas de Côte d'Ivoire. Les Djoulamanistan de Dramanistan. J'ai mal. Pays des gens. Comment ce pays s'est retrouvé dans telle situation? Oh mon Dieu. Ivoirien, il y a quoi vous? Je vous demande pardon. Pays des gens. Draman, tu n'es pas Ivoirien. Ton vice-président, il n'est pas Ivoirien. Ton président de l'Assemblée nationale, il n'est pas ivoirien. Ton ministre des Affaires étrangères n'est pas ivoirien. Elle n'est pas ivoirien. Ton tout gouvernement complet de RHDP n'est pas ivoirien dedans. À part l'animal Begré Mabé, fils d'Ébrié, qu'on a mis en haut là-bas, qui est en train d'assister aux décapitations de son peuple. Begré Mabé. Draman l'a pris. Il est en haut là-bas, il est assis au primature, il regarde. On est en train d'exterminer son peuple. Il est assis, il ne peut pas parler parce qu'on lui donne à manger. La malédiction. Begré Mabé, il est dans le gouvernement, là, il est assis. On détruit son village. Il est là, il ne peut pas parler parce que Draman lui donne à manger. Négro, la malédiction. Maman Chantal, j'ai mal. Écoutez, notre loi fondamentale, qui est la Constitution et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Contrairement à ce qui est dit, contrairement à ce que les rumeurs distillent. Donc le mariage, c'est un homme et une femme. Il ne faut pas dire notre loi, il faut dire votre loi. Bon, Mamadou Touré, tu n'as même pas besoin de dire ça. Tous les Ivoiriens savent ça. Plus que ça est dans la constitution ivoirienne. Même la révision constitutionnelle que vous avez faite en 2016, là, vous n'avez pas touché ça. Vous n'avez pas modifié ça. Ça est dedans, on connaît. Un Ivoirien qui est né hier, il sait que dans son pays, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Toi, Malien, là, tu as dit ça aux Ivoiriens, non? Draman, le Bouki, le Burkinabé, dit qu'il ne te veut plus, que tu ne viens pas de Burkina. Ce n'est pas vous qui va enseigner aux Ivoiriens ça. Tous les Ivoiriens savent qu'en Côte d'Ivoire, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Tu n'as rien dit là. Tu n'avais pas besoin de parler de ça. On dit qu'il faut condamner ce qui se passe. Hé, chers Ivoiriens, réveillez-vous. Yati, Aïsabari, chers Ivoiriens, peuple ivoirien, je vous demande pardon. Il y a ultime sacrifice qui s'impose à vous en 2021. C'est-à-dire chasser ces djoulas-là de Draman Ouattara au pouvoir. C'est ça. Chasser ces étrangers-là à la tête de votre pays. Ces Maliens, ces Guinéens, ces Burkinabés qui dirigent votre pays avec main de fer. C'est sur le règne la Côte d'Ivoire a été transformée. C'est sur le règne de ces bouquilles, ces étrangers-là, que les Ivoiriens dorment au cimetière. C'est sur la gouvernance
de ces étrangers, ces kafris, ces maudits qui ont dit hier qu'ils sont musulmans. On ne veut pas qu'ils soient présents en Côte d'Ivoire. C'est sur les règnes que la Côte d'Ivoire s'est transformée en un pays de Wibiland. La République de Wibiland. Bientôt, allez-y taper sur Google. La République de Wibiland, Côte d'Ivoire va sortir très bientôt. Ils sont en train de travailler là-dessus. Allez-y écrire la République de Wibiland sur Google. Si ce n'est pas sorti, c'est que ce n'est pas encore prêt. Ils sont en train de travailler. Ça sera sur Google. Et c'est sur le règne de ces animaux des maudits là. La Côte d'Ivoire est un grand pays que j'adore, que j'aime autant. Mon pays. Un pays qui faisait rêver. Aujourd'hui, regardez comment ce pays est exposé. De la part de qui? Ceux qui ont dit hier qui sont musulmans. Danga denounou, Kafri denounou, Batra denounou, Abebinata Djanamakouro. Alors, très rapidement, on va finir avec lui, on va aller prendre Tikendia. Oh mon Dieu, j'ai mal. Ma colère, ma haine n'a pas de limite, wallahi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le moyen. Je n'ai aucun moyen, maman Chantal. De casser testicule de Dramane Ouattara, je n'ai pas le moyen. Et ça me fait mal. Quelqu'un n'a qu'à déclencher un petit mouvement en Côte d'Ivoire demain. Vous allez voir s'il est parti ou pas. Moi, j'ai participé. C'est-à-dire, moi, ma haine, là, n'a pas de limite. Je veux que le pouvoir de Djoulamanistan, de Djoula, de Draman, prend fin demain matin. C'est mon rêve. Pour permettre aux fils du pays de rentrer, d'aller se retrouver. Djom Kibafouri Soro. C'est-à-dire, je veux beau parler, vous n'arriverez jamais à comprendre la haine que Zouzou a dans son cœur contre Draman. Je veux parler tous les jours, vous n'allez pas comprendre. Vous n'arriverez jamais à comprendre la limite de ma haine et ma colère contre Draman. J'étais un jeune adolescent, un analphabète qui a été manipulé dans ce combat de mensonges. Nous avons caché des armes dans la mosquée à cause de Ouattara. Vous comprenez? Il y a trop de choses que je peux dire, que je n'ai pas encore dit, pour ne pas alerter la sensibilité de mes propres parents. Il y a des choses dans le combat de Draman là, qui a été basé sur le mensonge, que moi je sais que je n'ai pas encore dit. Putain. Oh là. Alors, non, c'est dommage. Comment ce pays s'est retrouvé? On va continuer de prier Allah. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est pouvoir prendre, c'est tout. Donc le mariage, c'est un homme et une femme. Et ensuite, il y a une erreur qui a été commise sur une plateforme numérique. Il n'y arrive même pas à s'estimer. Le mariage, c'est entre une femme et un homme. Et ensuite, fils de bâtard. Mamadou Touré. Regardez le monsieur là ici. Hein. Je vais vous montrer sa photo là. Voilà le petit là ici. Hein. Mamadou Touré, voilà lui ici. Vous voyez. Voilà le petit. C'est lui qui est assis là. Hein. Regardez, il a grossi maintenant. Regardez à droite là, c'est Mamadou Touré. Voilà ça. Le Somalien là, c'est lui. Aujourd'hui, il vient s'asseoir, il insulte les Ivoiriens. Faut pas un Ivoirien va parler. Le pays est en train de se transformer. Vous êtes des musulmans? Venez éventrer femme enceinte hier en Côte d'Ivoire. Que parce que vous êtes musulmans, on ne veut pas que vous... Le jour pouvoir de Ouattara va finir, moi ici en vie. Non, ça ne sera pas bon. Je le dis tout le temps. Moi, j'ai déjà payé Bao. J'ai montré une fois, on m'a dit de ne plus montrer. Il y a des personnes là-dedans. C'est-à-dire, moi, ça c'est mon cas, hein, doit disparaître. Après le pouvoir de Draman, là, il y a des moutons qui sont venus. Ils se sont attaqués à moi. Ça, c'est pas grave. Ils se sont attaqués à ma femme, à mes enfants, à ma belle famille. À cause de Draman, le sanguinaire, le maudit. Ça, je ne vais pas laisser. C'est-à-dire, après Ouattara, moi, ici en ville, là, non. Arrivé à Abidjan en même temps, celui qui est au pouvoir, il n'a qu'à m'arrêter, quoi. Sinon, ça ne sera pas bon. Voilà Mamadou Touré ici. Voilà. Les Somaliens. Regardez-les. Regardez. Les Somaliens. Aujourd'hui, c'est lui qui va parler. Il vient s'adresser aux Ivoiriens. Alors, vraiment, c'est dommage, c'est triste. J'ai mal.
j'ai mal. Nous sommes dans un état de droit, il y a une erreur. Ferme ta gueule, nous sommes dans un état de droit. Toi, tu peux dire ça à un Ivoirien, c'est son pays, il connaît ça. Oh. En faisant référence à un article donc, du code pénal qui parlerait donc d'orientation sexuelle, alors que nulle part, donc, cet article ne parle d'orientation sexuelle. Merci beaucoup. Alors, le message de Draman était très clair. Le message du gouvernement de Draman est très clair. Les Ouïghours sont libres de faire ce qu'ils veulent. Nul n'a le droit de faire la justice. La constitution ivoirienne garantit la sécurité à tout le monde. Vous comprenez? L'homme qui a dit, bah bien là. Moi, je peux dire ça, Draman. Il faut aller prendre ta maman. Tu vas commencer à la mougou par derrière avant de venir te raconter ta sale vie ici. Moi, je n'ai pas affaire à vous. Tu as eu la chance, pour la première fois, je lis commentaire de quelqu'un. Pour la première fois, je lis commentaire d'un animal. Oui. Le jour où Ouattara va tomber. Eh hey, non. Priez Dieu que ce soit Dom Soro. Mais même là, ça sera compliqué. Soro ne pourra pas maîtriser tout le monde. Vos testicules seront sautés. Pays là, ce n'est pas pour vous. Des étrangers, des petits Maliens, des Guinéens, des Bouki. Alassane Ouattara, c'est un Malien. Et c'est un Burkinabé. Son vice-président Tchémogo Mélié, c'est un Malien. Kandja Camara, c'est un Guinéen. Président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé. Où est Ivoirien dedans? Le seul Ivoirien que je connais, c'est le Kafa, l'animal Begré Mambé, qui est assis en haut là-bas, qui regarde l'exécution de ses parents ébriés. On allait détruire son village. Adjamé village, Begré Mambé était assis dans l'incapacité d'ouvrir sa gueule. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Draman Ouattara dit, les Ouïghours sont là, je vois. Je vois. Mais aucun Ivoirien n'a le droit de les toucher. Lui, ce qu'il peut faire, il ne peut pas autoriser que les deux garçons se marient entre eux. Sinon, un Ivoirien dans ton pays, faut toucher Ouïghours, tu vas comprendre. Tu vas aller en prison. Hey! Ni Allah ko etienye, ambe Allah dali. Allah est Draman frappé. Allah est fangan ban. Draman sera frappé de façon négative, moi je sais. Dieu a détruit tout un peuple à l'époque. Comme Lout. Le peuple de Lout, comme Lout. Dieu les a détruits à cause de ça. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre saint de l'islam? Je vais vous dire ce qui est écrit dans le livre saint de l'islam. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Dans le Coran, le Coran du Kérim. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Draman dit les musulmans, Tikanja Fakoli, fils de Bata, Alpha Blondi, soulevez vos testicules, adressez-vous à Draman. Toi, Alpha Blondi, tu es maudit. Tikanja, toi, on n'en parle pas. Fils de Bata, yeah! On ne pouvait pas dormir. Alpha Blondie, il faut parler. La démocratie bananière, tout ça sera la guerre civile. Une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies. Tout ça sera la guerre civile. Ok, Draman au pouvoir bientôt 15 ans, il faut parler. Il a transformé la Côte d'Ivoire en un pays de Wibilan, il faut parler. Tikenja, fils de Kafa, c'est nous on t'a fait, hein? L'argent que tu as aujourd'hui, là, c'est nous, on t'a donné. On va te répondre. Voilà, vous avez écouté la réponse du gouvernement. Ils disent qu'à faire de Ouïghours, là, que c'est un faux débat. Et ils voient et ils savent. Mais aucun Ivoirien a le droit de les toucher. Parce que la Côte d'Ivoire garantit la sécurité à tous ses citoyens. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est de légaliser mariage entre des hommes. Et il ne peut pas faire ça parce que la Constitution interdit. Mais vraiment, tu peux faire comme des fois. Dis-moi combien de fois tu as respecté cette constitution de la Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais respecté la constitution de Côte d'Ivoire. La constitution ivoirienne t'interdisait à faire un troisième mandat, tu l'as fait. Si la constitution dit, constitution ivoirienne interdit le mariage entre deux sexes opposés, tu peux violer ça aussi. Parce que toi, tu étais dedans. Draman, c'est un Ouïghour. Je me suis posé la question, comment un chauffeur de taxi à New York s'est retrouvé en haut là-bas, Banque mondiale? Comment ça s'est passé? C'est un de son ami blanc qui l'a envoyé là-bas, en le tapant par derrière. Oui.
Le blanc, il ne dort pas dans mauvais rêve. Il donne, il te fait monter. Chauffeur de taxi à New York, comment il s'est trouvé dans Banque mondiale? Question. Gouvernement ivoirien a parlé. Il dit aucun ivoirien a le droit de les toucher. Ils sont protégés au même titre que tous les ivoiriens. Mamadou Touré, vous avez écouté? Dramane, c'est dommage. C'est celui-là qui est venu manipuler nos parents, qui est venu manipuler tous les musulmans de Côte d'Ivoire, y compris celles du Mali, de Burkina. Vous comprenez? Oh my God. Oh my God. Je suis à trop de problèmes. Je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer. TikTok, c'est grave. Je ne peux pas m'exprimer. À chaque fois, quand je vais m'exprimer, on attaque ma vidéo. C'est dommage, c'est triste. Laissez-moi tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. On attaque ma vidéo. Ah, ma page Facebook, là, il y a 185 000 abonnés. J'ai fait vidéo avec 60 personnes. Vous avez détruit ma page. TikTok aussi, on ne veut pas me laisser. Arrêtez! Jésus n'est pas parti à l'école. Mais il a participé à l'arrivée de Draman, le sanguinaire, le diable, le criminel, le maudit. Hassan Ouattara. Dangadi. Tu veux défier Dieu, toi et tes enfants, Alpha Blondie Tikendia. Vous allez voir. Ivoirien, mettez-vous en prière. Draman sera frappé, mais je crains que Dieu, en frappant Ouattara, va frapper la Côte d'Ivoire. Mamadou Touré, merci beaucoup à toi. Mais très bientôt, vous allez apprécier. Je vous rappelle que pays là, c'est pas pour vous. Deux personnes de sexe opposé, c'est le mariage en Côte d'Ivoire. Voilà. Ceci étant, nous sommes dans un état de droit, nul n'a le droit de se faire justice. Nous sommes dans un état de droit, sur Dramane Ouattara. Nul n'a le droit de se faire justice, de toucher le Wibi en Côte d'Ivoire. Ok? La loi sur le mariage consacre le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre constitution et dans notre... Fils de bâtard! Quand est-ce que vous avez respecté ces constitutions-là? C'est écrit dans la constitution, mais violez-la en même temps. Si vous dites que personne n'a le droit de toucher le Wibi, donc cette partie de la constitution ne sert plus, violez-la. Vous avez violé la constitution pour faire un troisième mandat. Draman, il faut légaliser le mariage entre deux hommes. Oui, il ne faut pas regarder la constitution. Tu n'as jamais respecté cette constitution. Voilà le message du gouvernement de Draman. Très clair. On va aller écouter un autre fils de bâtard, le comédien Tikendia. Hé, tiens, le vieil. Ah, Tikendia, tu nous aïes. Tikendia, tu nous aïes. Tu nous aïes, toi et puis Alpha Blondie. Et puis Draman Ouattara. Bientôt, vous allez apprécier. Toi, tu gagnes déjà, il ne faut pas, ton papa va quitter au pouvoir. Tu arrêté, s'il vous plaît. Oh my God, putain. Oh. J'ai compris ça, arrêtez d'attaquer ma vidéo, putain. Oh, non. S'il vous plaît. Ah, TikTok. Hein? Arrêtez et signalez. Ah, Zouzou, vraiment. L'homme est un peu bon. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je sais que vous me voyez, mais je ne vous vois plus. Ils ont bloqué l'écran, mais on va faire avec. C'est pas grave. C'est la deuxième fois. C'est la dernière fois, c'est le même truc qui m'est arrivé là. J'ai appelé ma femme beaucoup, beaucoup là. Bon, on va continuer. Voilà. Et ceux qui sont sur TikTok, là, écrivez si vous me voyez ou pas. Ah, Zouzou, tu fatigues les animaux, là. Je comprends pas. Arrêtez de signer. Ça ne va pas. Bon, c'est pas grave. On va continuer. On va aller écouter l'animal Tikendia Fagouli. Oh, putain. Tikendia, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'appelle Doumbia Moussa. Moussa, là, c'est l'islam. On ne décide pas d'être homosexuel. Il arrive que peut-être des gens fassent ça parce qu'ils ont besoin d'argent, mais la majorité d'entre eux sont nés comme ça. Je pense que c'est une question d'hormones et que depuis la nuit des temps, ça existe. Maintenant, soit le pays veut l'encourager en
en les officialisant, en disant qu'ils ont le droit, le pays décide de dire, bon voilà, vous ne pouvez pas vous marier chez nous, nous on ne peut pas accepter de légaliser ça. Et donc voilà, je pense que c'est le deux choix qu'on a, mais criminaliser, mettre les gens en prison parce qu'ils sont homosexuels, je ne pense pas que ça va résoudre le problème, parce que même s'ils vont en prison, si leur nature est comme ça, s'ils sont nés comme ça, quand ils vont sortir après 10 ans, ils vont être toujours homosexuels. Voilà. Vous entendez parler, vous n'allez jamais chanter contre le phénomène? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que voilà, je pense que c'est des humains. Ok. J'ai un petit sujet avec ma page TikTok là, mais c'est pas grave. Que peut-être des gens fassent ça. On demande l'animal Tikenja Fakoli. Qu'est-ce qu'il pense de l'homosexualité? Si tu parles un peu dans l'estival au front, fils de bâtard, dans la dé, Doumbia Moussa, il faut enlever ton nom Moussa là d'abord. Moussa, c'est l'islam. Tikenja dit, Ola, si tu parles un peu, on va t'envoyer au front. Son pays est en train de se transformer en un pays de Wibilan. Il dit que lui ne peut pas chanter ça. Tikenja dit que jusqu'à sa mort, lui ne va pas chanter contre le Wibi. Il dit qu'il y a des gens qui font ça à cause de l'argent. Mais il y a des gens qui sont nés comme ça à cause des hormones. L'État, qu'est-ce que son papa Draman peut faire? On va écouter encore. Il demande qu'est-ce que son papa Draman peut faire. Allons-y. On ne décide pas d'être homosexuel. On ne décide pas d'être homosexuel. Il arrive que peut-être des gens fassent ça parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais la majorité d'entre eux sont nés comme ça. Il arrive parfois que les gens font ça à cause de l'argent. Mais la majorité des Wibi sont nés comme ça. C'est le problème des hormones. Je vais vous montrer une photo de Tikenja en 1992. Je vais partager. Allez-y sur mon compte DM Zuzu Soro. Wallahi Bilal Tikenja était Wibi. Il était maigre comme ça. Allez-y, regardez. Je pense que c'est une question d'hormones. Et que depuis la nuit des temps, ça existe. Mais... Il dit, je pense que c'est une question d'hormones. Depuis la nuit des temps, ça existe. Fils de bâtard Tikenja, c'est toujours existant en Côte d'Ivoire, oui, on est d'accord. Mais comme ça, là, on n'a jamais vu. Toi, tu es né quand? Tu as vu que la Côte d'Ivoire dans un tel état? Dis la vérité à votre papa. Quitte le pouvoir, je te dis, quitte le pouvoir. Fou, 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 il devient fou. Alpha Condé devient fou. Alpha Blondie, la démocratie bananière, tout ça, ça sera la guerre civile. Ouvrez vos gueules. Dites la vérité à votre papa, Draman Ouattara. Faut chanter. Il dit que lui... Jusqu'à sa mort, il ne va jamais se sentir contre le Wibi. Depuis la nuit des temps, ça existe. Maintenant, soit le pays veut l'encourager en les officialisant, en disant qu'ils ont le droit, le pays décide. Il dit à Draman même qu'est-ce que Draman doit faire. Tikenja, il dit à Draman qu'est-ce que Draman doit faire. Et moi, reprends. Le pays décide. Ils ont le droit, le pays décide. Vraiment, laissez-moi en paix, putain. Non. Oh, TikTok là, vraiment, on m'empêche de m'exprimer. Oh mon Dieu. On m'empêche. Dit, bon, voilà, vous on ne pouvez pas vous marier chez nous. Donc, ils ont le droit, le pays décide. Il dit, bon, voilà, vous ne pouvez pas vous marier. Ils ont le droit. Soit le pays veut l'encourager en les officialisant, en disant qu'ils ont le droit. C'est-à-dire, il dit à Draman, qu'est-ce que Draman doit faire? Soit le pays les encourage, l'encourager en officialisant, en disant qu'ils ont le droit, il peut faire ce qu'il veut. Hé, hey, putain, Moussa Doumbia, vraiment, tu es un bâtard. Ton nom, Moussa, là, il faut enlever ça. Bien, le pays décide. De dire, bon, voilà, vous ne pouvez pas vous marier chez nous. Nous, on ne peut pas accepter de légaliser ça. Et donc, voilà, je pense que c'est les deux choix qu'on a. Mais criminaliser, mettre les gens en prison parce qu'ils sont homosexuels, je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Parce ok. Tikenja demande à Draman de dire, on autorise, c'est officialisé, vous êtes toléré. Faites ce que vous voulez, mais nous, on ne peut pas légaliser. On a deux choix. Ou légaliser, ou officialiser, ou tolérer,
ou soit l'État dit on ne peut pas légaliser. On a des choix. Mais criminaliser, quelqu'un a dit que ce n'est pas une solution. Eh mon Dieu. Moi, je vous promets, je dégage beaucoup d'énergie. Vous voyez, ma gorge me fait mal. Ma voix est partie tout le temps parce que j'écris beaucoup. C'est la colère qui m'anime, qui me fait crier. Je ne me porte pas bien. Mais je suis dans le combat là. Affaire de Côte d'Ivoire là. Les Ivoiriens acceptent que Dramane reste au pouvoir en 2025. Côte d'Ivoire là, je ne vais plus parler de ça. Je ne suis pas payé pour ça là. Je le fais par conviction au nom de mes parents de la Côte d'Ivoire. Mes pages sont attaquées, mes comptes TikTok sont attaqués, mais je suis dedans. Tikendia dit, il donne la solution à Dramane. Tolérer, officialiser, libéraliser, c'est un choix. Mais ici, nous, on ne peut pas légaliser le mariage de Wubi. Ça aussi, c'est un choix. Mais criminaliser, pour Tikendia, ce n'est pas une solution. Parce qu'ici, il condamne le Wubi. Tikendia ne fera plus jamais de concert à l'Occidentaux. S'il criminalise le Wubi, Tikendia n'aura plus de contrat pour venir chanter en Europe. Tikendia n'a jamais été un artiste engagé. Tikendia s'en fout de l'Afrique. Si tu parles un peu dans l'Est, tu vas aller au front. Ton pays est dirigé par un dictateur qui ne dit pas son nom. Son pays est transformé en un pays de Wubi. Tikendia dit que lui ne chantera jamais contre le Wubi, parce que pour lui, il y a des gens qui le font à cause de la pauvreté, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, le maudit, est dans l'incapacité de créer des emplois pour la jeunesse ivoirienne. Raison pour laquelle, à cause de la misère et la pauvreté, tous les jeunes du RDR, le petit Joulala, ils sont tous devenus des Wubi. 95% des Wubi en Côte d'Ivoire, c'est le petit Joulala de Dramane. Oui, le petit Joulala, le petit musulman, et tous. Tikendia dit, il y a des gens qui sont devenus Wubi parce qu'ils ont besoin de l'argent, mais il y a beaucoup, 80% sont nés Wubi. C'est Tikendia qui dit ça. Pour lui, criminaliser, ce n'est pas une solution. Tikendia, tu es maudit. Ton papa Dramane est maudit. Je vais vous dire quelque chose ici. Ah, Tikendia, c'est toi qui es là. Un artiste engagé, un panafricain qui a du mal à condamner le Wubi. Ces pratiques-là ne font pas partie de nos cultures ancestrales. Le Wubi, ils sont en Afrique, mais ça ne fait pas partie de nos cultures. Nos cultures disent qu'il faut marier 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. La culture africaine ne dit nulle part que des hommes doivent se mettre ensemble. Tikendia, moi, je sais que toi, on t'a déjà mou, même en Europe ici, je sais ça. Même en Europe ici, là, où ils ont mou, Tikendia. Parce que pour avoir succès en Europe ici, là, il faut donner ton derrière. Et Dramane Ouattara, chauffeur de taxi à New York, FMI. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? On se pose la question, comment ça s'est passé? Tikendia ne fait plus concert en Afrique, tout le temps en Europe ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Allez-y regarder la photo de Tikendia que j'ai publiée en 1992. Allez-y le regarder. Un vrai Wubi. Un jeune musulman qui dit criminaliser Wubi, ce n'est pas une solution, qui est en train de défier le bon Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans ça là? Je vais vous dire et puis on va se laisser. Alors, ce pays est tombé. La Côte d'Ivoire est finie. Tikendia, tu es un maudit. Mais je vais revenir sur toi. Toi qui vas venir ouvrir ta gueule là. Fou. Il devient fou. Fou. Alpha Condé devient fou. Tu n'es pas un Guinéen, à ce que je sais. Même si tu es d'origine guinéenne, tu es ivoirien aujourd'hui. Mais il faut dire, fou. Alassane Ouattara devient fou. C'est ça qu'on veut attendre. Alassane Ouattara, Alpha Condé ont posé les mêmes actes. La violation de la Constitution pour le 3e mandat. Alpha Condé, Dramane Ouattara. Les deux hommes ont posé les mêmes actes. Mais pourquoi un devient fou,
L'autre là, tu ne peux pas chanter. Tu es maudit. Et puis tu vas défier Dieu, tu es Tikendia. Tu es venu t'asseoir ici qu'il y a trop de mosquées en Afrique. Moi, je sais qu'il y a longtemps, tu n'es plus musulman. Toi, tu es un comédien. Toi et puis Alpha Blondie, les deux petits Djoula là, c'est l'argent. Si tu attends Djoula, c'est l'argent. Tu vas venir tuer toute sa famille. Il faut lui donner une enveloppe. Il va dire Ala leka, dit Ala lekata. Djoula, viens tuer toute sa famille. Donne une enveloppe de 5 millions. Alhamdulillah. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Alpha Blondie Tikendia, tu allais te pavaner dans l'AS là, auprès du capitaine Ibrahim Traoré. Tu les as demandé 80 millions pour chanter pour l'AS. Ils disent n'ont pas l'argent à te donner. Tu allais chanter contre eux. Moussa Doumbia, ton nom Moussa là, il faut enlever ça. C'est l'islam. Moussa là, c'est musulman. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Très rapidement. Non, c'est pas bon. Putain. Les imams de Côte d'Ivoire, tous les musulmans du monde, les kafas des imams de Kozim, allez-y prendre le Coran. Sourate 27, verset 54-58. Je reprends. Allez-y prendre le Coran. Allez-y chercher. Sourate 27, verset 54-58. Qu'est-ce que Dieu a dit dans l'affaire de Wibi? Vous allez retrouver dans le livre saint de l'islam, des fils de bâtards, des animaux, des maudits. Si vous êtes des musulmans, vous dites hier que vous êtes des musulmans. Toi, tu viens d'acheter dans la rébellion. Que parce que vous êtes des musulmans, on ne veut pas que vous soyez président en Côte d'Ivoire. Allez-y, prends le livre saint de l'islam, Al-Qur'an al-Karim. Que l'âme Allah subhanahu wa ta'ala. Parole de Dieu. Livre saint de l'islam. Allez-y, prendre. Sourate 27. Eh non. Allez-y, prends le Coran. Au moment où je parle, les imams, allez-y, prendre. Tous ceux qui ont fait l'école coranique, allez-y, prends le Coran tout de suite là. Allez-y, chercher. Sourate 27, verset 54 à 58. Qu'est-ce que Dieu a dit dans l'affaire de Wibi? Eh, Tchétchigendia, tu es maudit. Alassane Draman, tu es maudit. Ah, Draman Ouattara et tes enfants, Alpha Blondie Tikendia, vous voulez défier le bon Dieu. Vous êtes trop petit. Dans l'islam, vous êtes trop petit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tikendia va venir s'asseoir sur ses testicules avec son papa Draman. Il donne la solution à Ouattara. L'État peut dire, l'État peut faire un joli truc pour dire, bon, vous êtes, on officialise, comme en Côte d'Ivoire, c'est officialisé. Vous êtes libre, on tolère, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est un choix. L'État peut dire aussi, faire ce que vous voulez, mais on ne peut pas légaliser le mariage Wibi chez nous. Voilà les deux solutions que Tikendia donne à son papa Draman. Tikendia va plus loin, il dit, mais criminaliser, ce n'est pas une solution. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, Tikendia est en train de dire que Dieu, c'est un menteur. Tikendia est en train de s'apprendre au bon Dieu. C'est négro. Attendez, je vais vous montrer sa photo que j'ai partagée la dernière fois. Vous allez voir. Eh non, putain. Tikendia est en train d'insulter le bon Dieu. Draman Ouattara est en train d'insulter le bon Dieu. C'est-à-dire, Dieu a criminalisé Tikendia, que lui n'est pas d'accord avec ça. Dieu a criminalisé le Wibi. Draman dit que lui n'est pas d'accord avec ça. Attends, je vais vous montrer Tikendia tout de suite là. Hein. Vous allez voir sa photo. J'ai partagé hier, je crois. Un vrai Wibi. Tikendia, il était Wibi avant. Vous allez regarder photo là. Très. Il ne peut pas critiquer. S'il critique, il ne va plus mes pieds à Paris. Il ne va plus venir faire conseil à l'Occidentaux. Tikendia pense qu'il est arrivé aujourd'hui. Il est venu ouvrir sa gueule qu'il lui a plus de 200 conseils en Europe en 2024. Petit, il va mourir pour laisser l'argent là ici. Il faut te remettre en cause. Ah, attends, je vais vous montrer tout de suite. Tikendia. Et partager ici. Ah non. Voilà. Voilà ça. Regardez. Regardez Tikendia. Celui qui est assis là. Hein? Le mess là. Déshabillé là. Un vrai Wibi. En 1992. Regardez. Voilà Tikendia ici. Petit mess qui est assis là. Déshabillé là. C'est lui. À ce moment, le chemise, le tricot le dérangeait.
Il se promène la nuit. Quand vous regardez Tikandja ici, personne ne peut douter de lui. Un vrai Wubi à l'époque. Aujourd'hui, il dit lui, il ne peut pas condamner ça. Vous avez vu la photo? Je vais vous montrer encore. Regardez. Voilà Tikandja ici. Le petit mess qui est assis là, avec sa gueule là. Bon, je vais aller vous montrer. Je vais finir la vidéo. Qu'est-ce que Dieu il a dit concernant les Wubi? Eh non, Moussa Doumbia. Eh, Tikandja, ton nom Moussa là, c'est arabe. C'est l'islam, il faut enlever ça. Il faut t'appeler De Gaulle Macron. De Gaulle Macron. Il faut enlever. Nom de Moussa Doumbia, il faut laisser ça. Tous des animaux. Voici des gens qui ont soutenu Dramane hier. Alors, ici, je reprends encore. Tous les musulmans du monde, tous les musulmans du monde, tous les musulmans de Côte d'Ivoire, tous les imams de Côte d'Ivoire, tous les animaux des imams de Kozim, allez-y, prends Al-Qur'an Al-Karim, livre saint de l'islam, sourate 27, versets 54 à 58. Qu'est-ce que Dieu il a dit? Alors, Dieu il a dit ceci. Il y a trois personnes sur la terre de bon Dieu que Dieu même a créé. La terre là, c'est pas Dramane qui a créé. Hein. La terre là, c'est pas l'animal Alpha Blondie qui a créé. Hein. La terre là, c'est pas le maudit Tikandja qui a créé. Non. La terre là, c'est Dieu qui a créé. C'est sa terre. Dieu nous dit, sourate 27, verset 54. 58, allez-y, regardez. Dieu dit, il y a trois personnes sur ma terre que j'ai créées qui doivent être exécutées, qui ne doivent pas vivre sur ma terre que j'ai créée. Dieu, il dit, il y a trois personnes sur ma terre que j'ai créées qui ne doivent pas vivre. La première, un homme marié avec une femme. Si on l'attrape en adultère, un homme marié va à une copine dehors. Un homme marié va aller faire zina. Un homme marié qui fait adultère, Dieu dit si on les attrape, on doit les exécuter. Il ne doit pas vivre sur ma terre. Premièrement, écrivez. Allez-y, prends le Coran. Les animaux des imams de Côte d'Ivoire, ouvrez vos gueules face à Dramane. Hey, Tikandja, à partir de ton interview là, wallah, bilay, moi je ne vais plus te laisser. Je pensais que tu étais un homme. Tu es un homme indigne. Tu es un vrai lâche, un animal. L'argent t'a aveuglé, Tikandja. Tu es un petit esclave de Ogené. Tu traînais sur tes fesses dans la boue. On mougoussait ton cuir. Aujourd'hui, tu es devenu multimilliardaire. Tu veux insulter le bon Dieu. Je ne peux pas l'accepter, Tikandja. Doumbia Moussa. Moussa, là, tu enlèves ça. Hé, hey, Tikandja. Co-criminaliser, ce n'est pas la solution. Et puis, tu donnes la solution à Ouattara. Tikandja dit dans son interview, je vais partager ce soir sur ma page. Non, ça y est déjà sur ma page. Zouzou Soro A53. Allez-y, regardez. Vidéo là, là-bas, écoutez. Tikandja dit que lui, jusqu'à sa mort, il ne va pas chanter contre Wubi, que pour lui, c'est des êtres humains. Il veut défier le bon Dieu. Toi, avec ton papa là, vous êtes assis sur vos testicules, sur la terre du bon Dieu. La terre que Dieu a créée. Dieu dit qu'il y a trois personnes qui ne doivent pas vivre sur sa terre que lui-même il a créée. C'est pas fini. Toi, un animal, un esclave, aujourd'hui, tu as beaucoup de conseils au Canada, aux États-Unis, en Europe, au mougou ton cuit, et tu ne peux pas te prononcer. C'est dommage pour l'Afrique. Voici hier des artistes engagés. Quitte le pouvoir, je t'ai dit, quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps. Tu nous pourris le temps. Laisse tomber l'histoire. Tu sais très bien que... Ah, blablabla. C'est Laurent Gbagbo qui a joué avec toi. Henri Konak Bédié. À propos des nationalités, ils ont des cousins à Casamance. Même s'ils ont des cousins à Sierra Leone, est-ce qu'il n'y a pas de Kwame au Ghana? Bédié devait couper tes testicules. Guéillé est venu, balayero, il est venu comme un héros, il est parti comme un animal, et pourtant je t'avais prévenu, danga dindin. C'est eux qui ont joué avec toi.
Ah, aujourd'hui, tu vas t'apprendre à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aujourd'hui, tu vas t'apprendre à notre Créateur. Aujourd'hui, tu vas t'apprendre au bon Dieu. Que criminaliser les Wibi, ce n'est pas une solution. Dieu a dit de les exterminer. Donc toi, Tikendia, tu es plus fort que Dieu. Bientôt, tes testicules seront brûlés à l'enfer. Moi, je le sais, ton papa Draman, Alpha Blondie, vous trois là, je le sais. Je demande à Alpha Blondie de soulever son testicule. Hé, levier, Alpha, il faut parler de cette affaire-là. Draman ne voulait pas parler dedans. Hein. Draman ne voulait pas parler. Mais la jeunesse ivoirienne est sortie. On a demandé des comptes. Draman est sorti aujourd'hui, il s'est exprimé à travers son porte-parole. Je demande à Alpha de se prononcer. Tikendia a parlé. Il dit, lui, ne condamne rien. Tikendia dit, lui, ne condamne rien. Il ne va jamais chanter contre le Wibi. Il donne la solution à Draman de légaliser, de officialiser, de tolérer. Toi, Alpha Blondie, qu'est-ce que tu n'as pas dit ici hier? Tu as ouvert ta gueule, tu as rendu la vie impossible aux Ivoiriens ici. La démocratie bananière, tota, ça sera la guerre civile. Une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies. Tota, ça sera la guerre civile. Tu as dit ça ici? Toi, Alpha Blondie. Mais bientôt, Draman, 15 ans au pouvoir. Tu ne peux pas ouvrir ta gueule. Tikendia, tu n'es rien. Fermez vos gueules, c'est mieux pour vous. Allez-y encore. Sourate 27, verset 54 à 58. Al-Qur'an al-Karim. Qu'est-ce que Dieu a dit? Trois personnes n'ont pas le droit de vivre sur sa terre que Dieu a créée. La première, un homme marié. Si on l'attrape en train de faire adultère, exécutez-le. Deuxième personne, c'est qui? Si on attrape un homme en train de coucher avec un animal, exécutez-le. Moi, j'ai cette vidéo-là ici. J'ai deux vidéos ici. Un guide religieux au Pakistan en train de coucher avec un chien. J'ai ça ici. Un homme politique allemand en train de coucher avec un chien. J'ai ça ici. Mais l'islam interdit de publier ce genre de choses-là. Dieu dit, un homme qui couche avec un animal. Dans le gouvernement de Draman, là, il y a des cadres là qui couchent avec des animaux. Oui, oui. Ils sont aveuglés par le pouvoir. On appelle ça la tentation. Ils sont aveuglés par l'argent et le pouvoir. Même dans le gouvernement de Draman, il y en a. Ils couchent avec des hommes, ils couchent avec des animaux. Parce qu'ils ont l'argent. Ils veulent essayer tout. Dieu dit, un homme qui couche avec un animal, exécutez-le. Un homme marié qui fait adultère, si vous l'attrapez, exécutez-le. La troisième personne que Dieu interdit de vivre sur sa terre, allez-y Dieu à l'animal Tikendia, Draman Ouattara Alpha Blondie. Cette affaire de Wibu là, je parle dedans parce que ça concerne directement notre pays. En Italie, si là, tu ne vas jamais vivre. Festival de Wibi comme ça, comme on voit en Côte d'Ivoire. Même à Paris, on ne peut pas voir. La troisième personne, c'est qui? Que Dieu interdit de vivre sur sa terre que lui-même l'a créée. Draman Ouattara, c'est un bâtard, un maudit, un animal qui est venu mentir au nom de l'islam qui a tué les Ivoiriens. Parce que je suis musulman. On ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Ah bon? Et c'est musulman qui légalise ça. Hein, putain. Ma haine, ma colère n'a pas de limite. Tikendia Fakoli. Merci beaucoup. Il s'appelle comment là? Yakoulous. Merci beaucoup, Yakoulous. Ouais, c'est ma nature qui est là. Il sait que bientôt je vais arrêter même de faire le live sur TikTok là. Parce que ça, c'est ma nature, je ne peux pas modifier ou coller les mots. Parce que ça, c'est un problème. Ils ont sauté. Chaque fois, quand ils font live, on saute. Ça, c'est le deuxième live qu'ils ont lancé. Mais ce n'est pas mon problème. Ils vont sauter, je vais créer encore. Ça, c'est ma quatrième page Facebook qu'ils ont détruite. Je ne suis pas parti à l'école. Donc, ça ne me dérange pas. Ils vont sauter, je vais créer encore. Mais on va dire la vérité. Vous comprenez? Il y a trois personnes, fils de bâtard, illettré. Et puis toi, tu es là, tu regardes, illettré. Faut aller mourir ta maman, même ça sera mieux pour toi. Je suis illettré, et puis toi, tu es là, tu me suis. Vous comprenez? Tikendia, tu dis, criminaliser le Wibi pour toi, ce n'est pas une solution. Dieu dit de les exécuter. Donc, tu veux défier bon Dieu.
trois personnes. Dieu interdit trois personnes de vivre sur son sol qu'il a créé. Premièrement, un homme marié. Si on l'attrape en train de faire adultérer, exécutez-le. Deuxième personne, un homme, on l'attrape en train de mougou un chien, exécutez tout le dé. Tout le dé doit être exécuté. Troisième personne, quand on attrape un homme en train de coucher avec un autre homme, Dieu dit, exécutez-le. Toi, fils de Kafa Tigendia, et ton papa maudit Draman, vous voulez défier le bon Dieu? Non. C'est Dieu qui a dit de les exécuter. Et Draman, le musulman, est venu dire aux Ivoiriens que personne n'a le droit de toucher LGBT. Hé, chez Ivoirien, il est temps que vous vous réveillez. N'ayez pas peur de la mort. Il y a un dernier sacrifice qui s'impose à vous pour libérer votre pays. Si nous, on avait peur de la mort, ces sanguinaires, ces criminels, ces boukis, ces kafris, ces maudits Draman n'allaient jamais être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui. Quand on a pris les armes là, on a décidé d'aller tous au charbon. Vous savez ce que Kone Zakara nous a dit à Makono? On a pris les armes pour Ouattara. J'ai la vidéo ici. On va tous mourir. Mais c'est Ouattara qui doit devenir président. Si on avait peur de la mort là, Ouattara n'allait pas être président. Ivoirien, Ivoirien, acceptez. Ultime sacrifice s'impose à vous de chasser ces sales djoula de Draman au pouvoir. Ces animaux-là. Ces étrangers. Oui, j'ai mal. Non, Tikendia, à partir d'aujourd'hui, j'ai la haine contre toi. Co-criminaliser n'est pas une solution. Dieu dit de criminaliser. Dieu dit d'exécuter. Donc, tu veux t'apprendre au bon Dieu. Draman Ouattara. Dieu dit, si on attrape garçon en train de coucher avec un autre garçon, exécutez-les. Parole de Dieu. Allez-y, prends le livre saint de l'islam, Al-Quran al-Karim, sourate 27, verset 54-58. Vous allez voir ce que je vous ai dit. Alors, donc, Dieu a menti. Donc, Dieu, c'est un menteur. Draman Ouattara Tikendia, dites-moi. Dieu, il a menti. Ou bien, affaire de Dieu, là, c'est pas vrai. Dites-nous qu'à faire de Dieu là, c'est pas vrai. Dieu, il a dit dans le livre saint de l'islam, Al-Qur'an al-Karim, le Bible islamique, équivalent aux Bibles des chrétiens. Dieu dit, si on attrape un homme en train de coucher avec un autre homme, exécutez-le. Si on attrape un homme en train de coucher avec un animal, exécutez-le. Si on attrape un homme marié en train de coucher avec une autre femme, en dehors du mariage, exécutez-le. Toi, tu vas venir me dire quoi, c'est. Oh, Ivoirien, aïe, ça va aller. J'ai mal. Oh, Ivoirien, je vous demande pardon. Aïe, ça va aller. Levez-vous. Chassez ces incultes, ces analphabètes, ces vendeurs de Nyamakoudji, de Bissab, ces vendeurs de Kokobara. Chassez-les. 15 ans au pouvoir sans aucune connaissance politique. Alpha Blondie, ouvre ta gueule. Adresse-toi à Draman. Tikendia a parlé, son papa est sorti aujourd'hui, lui il est sorti hier, son papa est sorti aujourd'hui. Tikendia, oui, oui, il est sorti hier, son papa est sorti aujourd'hui. Tikendia, je vais m'arrêter ici, je suis déjà une et quelques. Demain soir, Inch'Allah, on sera ici pour un autre sujet. On sera ici pour un autre sujet. Papa Laurent Gbagbo, président Diom Kibafori sera apprêtez-vous, je l'ai déjà dit ici, dans les mois qui viennent. Le cache d'âme seront découverts partout, à l'est, à l'ouest et au nord. Draman va accuser Soro Diom et Gbagbo Laurent d'avoir déstabilisé le pays. Écrivez ça, gardez. Avant l'élection de 2025, ces hommes sont en train de travailler, comme ce qui est arrivé à Sultusul. On allait déposer les armes là-bas. Après, Draman dit que Sultusul voulait faire coup d'état. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi, à tous ceux qui me soutiennent. Ah, papa, Narcisse Yulou. Ah, ils ont attaqué la vidéo encore sur Facebook. Bah, heureusement, j'ai fini. Vous là, ce qui est bien pour vous, laissez-moi tranquille. Quand vous venez m'insulter là, je deviens plus violent encore. J'étais le vice-président de RDR des maires de Draman Ouattara ici à Milan. Vice-président chargé de la mobilisation. Raison pour laquelle il n'y a pas un mouton de Draman en Italie ici là qui ne me connaît pas. Vous qui venez
écrit, racontez vos vies là. Moi, je rigole. Ceux qui viennent raconter vos vies là, vous ne me connaissez même pas. Mais Dramane sait qui je suis. Dramane est venu ici en 2015, l'exposition internationale de Milan. J'étais le chef de sa sécurité. Vous comprenez? En 2010, c'est moi qui supervisais, sécurisais l'élection. J'ai des documents avec moi là, à cause de ce rodium. Il y a des choses que je ne dis pas encore. Donc, les animaux de Ouattara là, moi je ne suis pas vos camarades. Quand je regarde vos commentaires bizarres là, je me mets à rire. Non, mon frère, ce n'est pas Imam Enken, Imam Champagne, Imam Jack Daniel. Voilà, je ne connais pas ce qui vit d'Enken. Mais vos dramas là, il a cave d'alcool chez lui. Un musulman qui a cave d'alcool chez lui. Voilà, je vais montrer la vidéo avant qu'on se laisse. Dramane Ouattara. Même Macron n'a pas cap d'alcool chez lui ici. Président italien, Mattarella, il n'a pas cap d'alcool chez lui ici. Mais Dramane a cap d'alcool. Il dit qu'il est musulman. Et puis, vous, Dramane, là, il est parti à la Mecque, au pèlerinage, deux fois. Première fois, il y a un vent violent qui est tombé sur la Mecque. Les gens n'ont pas plus fait la hajj à cause des présences de Dramane. Dramane, première fois, il allait à la Mecque. Il y a eu un vent violent. Personne n'a réussi à prier cette année. On n'a pas fait la Mecque à cause de Dramane. Deuxième fois, il est parti. Il est arrivé là-bas, Dieu l'a frappé. Dramane était dans l'incapacité de rester sur son pied. On l'a mis dans bourrette. Tout le monde a vu. Ils ont mis Dramane dans bourrette. Il ne peut pas s'arrêter. Pendant ce temps, Ablaye Ouad qui a 96 ans, Ablaye Ouad courait. Mais Dramane est parti. Impossible de rester sur son pied. Dieu lui a dit que je n'ai pas besoin de toi ici. Je ne t'ai pas appelé. Alors, et quoi, Imam Enke? Vous voulez que je vous donne mon secret? Jésus ne boit pas. Voilà, il prend métaphémine. Voilà, ça c'est mon secret, ça que je vous donne. La métaphémine, je prends ça à cause de douleur. C'est tout. Alors, attends, vidéo. Voilà. Ok. Bon, TikTok là, on dit c'est compliqué. On va montrer ça ici. Et regardez, écoutez. Dramane Ouattara, un musulman qui a cave d'alcool chez lui. Deux heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Fils de bâtard! Dramane, c'est un maudit. Voici quelqu'un qui est venu manipuler tout un peuple que lui, les musulmans. Cave d'alcool, cherche quoi? Chez un musulman, caf. Ça dit, vous connaissez ce qui... Vous savez ce qui veut dire caf? Dramane a caf d'alcool chez lui. Ça dit, il a construit une chambre uniquement pour les alcools. Deux heures après, ils sont venus, ils ont commencé à ramasser tout. Ils ont retrouvé la cave. Ils ont commencé à buter d'alcool. Ils étaient sous. Ah! Caf d'alcool chez un musulman. C'est pourquoi il est parti à la Mecque. Dramane était dans l'incapacité de rester sur son pied. On l'a mis dans bourrette. Donc moi, je ne suis pas vos camarades. Vous ferez mieux de laisser Gangaba tranquille. Vous ferez mieux de ne pas me provoquer. Il y a 5000 vidéos ici. Je dirais même 10 000 vidéos concernant la Côte d'Ivoire. Ces 10 000 vidéos, 9 500 concernent Dramane lui seul. Vous comprenez? Imam Enken, Imam Mamania, vous dites tout ce que vous voulez. Moi, ça ne me fait pas chaud, ça ne me fait pas froid. Jésus, c'est un Malien, Jésus, c'est un Guinéen, Jésus, ça ne me fait pas chaud, ça ne me fait pas froid. Si cela peut vous faire plaisir, on est dedans. On n'a qu'à continuer. Dramane sera toujours déshabillé et allumé. Un maudit, un bâtard, un criminel, un assassin qui est venu mentir au nom de l'islam. Qui a éventré plus de 405 000 Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont miselés, les maisons sont détruites, les commerces sont cassés, Ivoiriens dorment au cimetière, Ivoiriens dorment en bas des ponts. Cela n'est pas suffisant. Dramane va transformer leur pays à un pays de Wibiland, transformer le pays des gens à un pays de Bodakruya. Mais moi, je suis content. 99% de ces 8 biens en Côte d'Ivoire, c'est le petit djoula de Dramane. Tous le petit djoula. Le petit djoula de Dramane, le petit musulman. Le 8 biens à 99% à Bey Djouladé. Ce sont les militants de Dramane à cause de la pauvreté. Tigenja, il a dit. Il y en a qui sont dedans à cause de la pauvreté, la misère, parce qu'ils ont besoin de l'argent. Dramane n'a pas pu créer des emplois pour eux.
Tu veux nourrir ta famille en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut donner ton derrière. Ou bien il faut prendre bateau, il faut quitter la Côte d'Ivoire, il faut partir. C'est tout. Et 80% de ceux qui donnent l'aide derrière, ce sont les petits joulards et Draman. Je peux jurer sur ça. Donc, Tikenja Draman Ouattara, vous ferez mieux de fermer vos gueules, de bannir ces pratiques-là dans notre pays, étant donné la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Voilà. Vous bannissez ces pratiques-là dans notre pays qui n'est pas compatible avec l'islam que vous êtes venu mentir pour accéder au pouvoir. Dieu, il a dit, si on attrape le wibi, on n'est qu'à l'exécuter. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Qui dit musulman, ton Bible, c'est le Coran. Le Bible des musulmans, c'est le Coran. Al-Quran, il-Karim. C'est écrit dedans. Si on attrape un garçon qui couche avec un autre garçon, exécutez-le. Donc, on ne peut pas défier le bon Dieu. Qui peut défier le bon Dieu? Personne. Voici la vérité, voici la réalité. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares, sanguinaires, criminels, des voyous, des maudits, des bandits, des étrangers. Je prie bon Dieu tous les jours que ce régime prend fin. Demain matin, je me réveille. Première chose, je connecte mon téléphone. Je m'avais fait un tour sur Facebook pour voir si Draman est tombé. Ça, c'est chaque jour ça. Mon rêve est que la médiocrité de Djoulamanistan, de Dramanistan, le pouvoir finit. Il y a des gens qui ont gouverné ces pays-là avant vous. On n'a pas vécu ça là. Vous êtes des maudits, tous des maudits, les petits Djoula. Ce qui les intéresse, l'argent. Il faut donner, on est derrière toi. Ouattara, il faut te ressaisir. Le pays-là, ce n'est pas pour toi. Au fond, il n'est plus là. Papa Harry Konabedje, père à son homme, n'est plus là. Papa Laurent Gbagbo, il a envie, mais il n'est pas au pouvoir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Allahu lazi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Nous prions le bon Dieu, que Dieu donne longue vie et la santé à Papa Laurent Gbagbo, que Dieu le protège. Que Dieu facilite la disparition de Draman et son régime demain matin. Ayafo, amin. Dites amen. Merci beaucoup à tous et bonne soirée à vous. Demain, je ne travaille pas, c'est pourquoi je suis devant vous ici. Et Inch'Allah, demain soir, on va se retrouver ici. J'ai une autre vidéo qui va venir demain soir. Et demain soir encore, j'ai une autre vidéo. En ensemble, bonne soirée à tous. Que Dieu facilite la chute de ce régime. Que Dieu redonne à la Côte d'Ivoire sa dignité. Et toute sa valeur qui incarne la République de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.